Information nous doit connaître pas passer sous vidéo ça sans pas attendre tout ça qu'on dit en dedans. Question $50 diaspora, là nous font petit transfert à Haïti dans $50 ça et bien nèg transfert au volo tout. Nèg yo coupé tête chaque $100 pour un bagage et puis yo dou yo prend seulement $50 mais c'est menti. Et bien Youri la tortue mesdames et messieurs comme toujours vini avec dossier yo. Et bien preuve à la main pour venir faire nous voir qui côté Ariel Henry joine comme et bien monsieur arrivé acheter 3 résidences privées. Hein? Monsieur acheter 3 cailles sous d'autres peuple là avec l'argent diaspora avec l'argent nous yo et c'est là monsieur et bien a fait million avec divers acolytes il gagne ensemble avec le pouvoir et nèg André Michel yo Nenel Kassi nèg ça on t'a dit fin millionnaire tellement a fait l'argent nèg ça fin riche sous d'autres nous. Hein? Yo te fait connait que avenir peuple c'est des barricades liées journée aujourd'hui ou pas même temps de nèg ça aussi existait ou bien si mouri déjà tellement vent yo plein ou pas gain temps même pour chercher ouais et bien malheureux qui te kon bataille avec dans la rue te kon dans manifestation aujourd'hui nèg yo nan pouvoir yo pas ouais peuple là et bien youri la tanti pour mettre dossier de mesdames et messieurs comme toujours nous pour faire tant de causer gain dans pays ça et là on pral ouais qui ça l'état ça lui même l'a fait nous comment l'état tout pisi nous comment l'état pété fiel nous mesdames et messieurs. Sans nous pas parler de toi comme d'habitude, on nous rentre directement dans la vidéo. Qui fait accident, évidemment, plusieurs monde blessés, nous capables de dire plusieurs monde qui mourent jusqu'à maintenant. Et nous prenons parler avec Salomon, nous prenons parler avec Anderson pour nous connaître comment bagaille a déroulé là. Mais c'est un mouvement de panique avion écrasé, mesdames, messieurs. J'en ai là, nous allons essayer de comprendre comment ça fait arriver. Et donc, on nous rentre directement en Haïti. Et puis sans côté nous pour nous parler sous question insécurité en côté que nous apprenons également eh bien bandit tout y ont ougan à cause que semble-t-il que ougan tabay faux point nous allons parler sous ça puis sans côté eh bien grand pile en pile l'autre actualité ou sous channel mon affaire Bon TV ça fait nous plaisir parce que nous avec vous. Et oui Anderson n'a salué frère pas nous connaissons un mouvement de panique kounya là. Bonsoir Jimmy, bonsoir Salomon, bonsoir Léonel, bonsoir à tout le monde qui est connecté avec Chanel Moun Affaire Bon TV. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou toujours dans le même cadre mission. Nous avons été nous qui sommes qui nous informés de tout ce qui a passé dans le pays. Et pour l'autre fois, nous saluons le grand public, nous saluons Jimmy et nous saluons Salomon. Bonsoir Jimmy, bonsoir Léonel, bonsoir Anderson, bonsoir auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Dans le monde, on fait Bon TV, on fait les internautes, sans oublier, on fait les haïtiens qui vivent à travers le monde. Et bien, Jimmy, on a prêté avec information, actualité de dernière heure, et bien, nous capables de dire, dans le moment, on a parlé là, à côté, il y a une tension et cap et régnier dans la commune et Carrefour, puis particulièrement dans la zone avenue Christophe Chanel, d'après information qui arrivent joindre nous. Et bien, ça qui est à la cause situation et panique, ça, c'est après yon avion, ta fin écrasé, pour ne pas dire ça, nous les atterrissages et forcés à Djibi. Et bien, yon avion qui t'a écrasé dans l'avenue et Christophe et Chanel, jusqu'à maintenant, nous pas connaître dans qui ville avion ça t'a sorti, si c'est dans la ville Gatmel, si c'est dans la ville Okaï, mais avion ça est écrasé et dans la commune et Carrefour, d'après. Image qui arrive jeune nous, gain un pile monde qui t'a sorti blessé, gain l'auto qui t'a perdu. La vie et Jimmy, et ben nous c'est pas pour première fois et avion ça yo a fait crash dans et payant tout récemment nous te ouais dans ville et Jacques Mel côté, c'est même et quatre figures figure qui t'est présenté et nous en pile monde dans population tout et qui pas jamais suspendre dénoncer nèg qui prétend y a dirigé qui pas voulait établir et la paix et dans troisième circonscription nous en pile monde dans population fait connaître si avion ça yo peur yo pas voulait monter au mais et pas gain choix yo pas capable et dans troisième circonscription parce que bandi et qui érigé tête comme étant chef dans zone pas jamais suspendre coup de balle pas jamais mettez fin et dans la vie et population et tout récemment nous avons une grosse mobilisation qui était faite dans la ville au Kai et même une avion ça a incendié nous avons un comportement autorité moun et qui dans l'état au lieu pour mettre en sécurité dans la troisième circonscription yoté plutôt et lancer mandat voué mandat invitation by quelques moun qui était participé dans la journée et mobilisation et bien nous capable dire c'est un coup dur
pour population haïtienne sous faute l'état sous faute nèg qui dit y a dirigé et eh ben et jodi a là un pile monde t'a sorti et blessé avec l'autre qui t'a perdu la vie après avion ça t'a fin écrasé dans commune Kapou plus particulièrement avenue et Christophe Chanel. Monsieur, nous capable comprendre gain un mouvement de panique et oui nous capable gain quelques corps noué à terre là et c'est sûr certain gain blessé gain monde qui mouri pour l'instant pas gain personne qui en mesure pour dire combien monde qui mouri combien monde qui blessé bon n'a pas obligé étirer image depuis nous moun yo mouri hein on regarder justement ça c'est justement c'est quelques grain là dans yo et bien population commence à aider kounia là et donc évidemment et n'a demandé autorité aussi l'existe si gain prend responsabilité i jan parce que j'en nous dit info ali à peine tombé on pense c'est tout le monde met en pile chaille par loup sous dossier ça et nous va avancer monsieur nous gain pour nous montrer l'autre image également mesdames messieurs oui en avance et la jeune. Encore une fois, et nous saluons tout le monde qui a suivi nous. Et Dimi, effectivement, joint information la domine actualité. Hein? Gros drame dans la République d'Haïti, justement, avion qui tombait. Encore une fois, nous connaissons après crash qui était gagné au niveau de la ville de Jacques Mel, crash qui était gagné au niveau de la ville de Léogane. C'est pour nous avons dit un troisième fois là, un avion tombé et déjà gagné victime, gagné mort. Et nous capables de dire, et jusqu'à date, population qui paniquait. Et sans oublier justement drame qui gagne au Cap Haïtien dans la commune Milo, côté que et gaz, d'après le premier élément d'information, gaz est stocké pour capable préparer un pénurie et carburant pour gagner la demi, parce que gagne une annonce qui a fait là, comme quoi, et dans les jours à venir, prix et gaz à pral monter, et bien voilà, population qui a justement couru à la recherche gaz pour stocker, et bien ça vient de faire que gros drame, non seulement au niveau de la ville au niveau de la commune de Carrefour avion qui tombé mais aussi au niveau de la au niveau du département du Nord et commune Milo gagné maison qui brûlait plusieurs membres dans famille entièrement qui détruite nous capable dire avion trois monde mouri sous place et gagné d'autres trois qui allaient l'hôpital blessé grave et ben nous encore une fois pays d'Haïti gagné drame c'est drame sous drame et sans oublier justement mesdames messieurs sans oublier eh bien dans quatre dossiers insécurité yon et président yon gros bandit là gros kidnappeur qui arrive joindre la mol côté que population qui t'a fait bonne garde pendant que bandit ça kidnappé au madame pasteur fait mouton monde en toute aisance eh bien nous capable dire eh bien population justement et bandit ça qui t'a dirigé dans zone gros monde eh bien nous capable dire eh bien actualité li chaude dans mon pays là au niveau plusieurs dossiers eh bien qui a fait la une demi et nous capable dire Salomon concernant et ça qui passe là actuellement dans commune Carrefour nous capable dire population qui justement paniqué dans mon pays là c'est comme si après ça revenir de crash ça et n'a regardé là actuellement depuis un avion passant l'air ouais moun k'ap gade dans l'air yo obligé à courir mettre corps à l'abri ça veut dire gen panique là gen psychose de peur moun yo kounye là qui va le perdre avion de plus en plus depuis moun yo un avion passant l'air et tout moun commence à font gens donc c'est comme ça y est après justement plusieurs crash ça avion qui tombé et n'a regardé photos là mesdames messieurs bon nous pas même besoin de dire plus et si t'as gagné monde qui blessé ça t'a étonné parce que j'en ai regardé image yo et nous capable comprendre que nous obligé camoufler parce que nous pas gagné autorisation pour n'a monter gens débarrer ça au maintenant pêche et m'pas quoi gagné monde qui sauvé mesdames messieurs m'pas quoi gagné monde qui sauvé par rapport image yo mais heureusement non malheur les bagaille t'a gagné plus mal t'a gagné plus monde qui mourir. Heureusement, pour l'instant, pas trop de dégâts à part que avion écrasé. Peut-être moins. Si je calcule, mesdames et messieurs, je suis capable au moins en dire 3-4 personnes qui mourent. Il y a plus, il y a moins, mais c'est ça que nous avons. Aveuglement, vite, comme ça. Oui, Anderson, on avance. Oui, Jimmy, on a avancé avec l'autre information et dossier avion ça et qui écrasé à tout Jimmy. Avant même et nous et avancer, n'a dit que l'État responsable Ariel Henry responsable parce que c'est mon au cap bay gang l'argent pour mettre insécurité pour faire business yo et gen en pile avion qui sorti dans continent africain nan qui rentre là et jodi a là avion ça yo et yo et volé avec yo parce que un jeu spécial nous toujours parler de sécurité. Mais je dis, avant de parler de sécurité, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, c'est question 1,50$ que vous prenez sur chaque transfert
dans le corps diaspora, frère Nasser qui là-bas, vous voyez, et comme ça, qui là depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait une enquête sur lui pour que nous connaissions exactement ça comme ça a fait. Et puisque nous n'avons pas joué tout le détail, nous avons bien écrit pour des contours. Donc nous allons parler de fonds FNEA. Et la deuxième partie, on a parlé de sécurité. Nous connaissons en général, on a dialogué de 15 à 20 minutes de conférence. Et après, on a posé questions appropriées. On a commencé à parler de justement fonds FNEA qui a commencé en juin 2011. Côté sur chaque transfert, la Banque centrale déprend 1,50$ et jusqu'à 30 mars 2022, nous avons toutes données sur le fonds SAR et nous allons le année par année. Nous avons demandé à Félibo de distribuer par les planons en copie de documents SAR à chaque journaliste pour savoir exactement ce que dit. En copie qui pouvait justement fonds SAR, eh bien, combien de fois nous rentrons là-dedans. Et problème nous gagnons, monsieur Silence, problème nous gagnons par rapport à comme ça qui rentrait, puisque il y a un pile problème là-dedans. Fonds SAR, ils ont commencé à ramasser comme ça en juillet 2011. Jusqu'à décembre 2011, ils ont été rassemblés pour ANEA 4,885,130$ qui rentraient dans la caisse de l'État. En 2012, gagné 12,099,912$ qui rentraient. En 2013, gagné 13,378,006$ pour l'année 2013. L'année 2014, gagné 14,653,422$. Année 2015, nous avons gagné 16,801,499$. Année 2016, 19,151,527$. Année 2017, 21,454,711$. Année 2018, 24,478,020$. Année 2019, 27,126,756$. Année 2020, 30,394,884,11$. Année 2021, 32,192,595$. Et de janvier jusqu'au 30 mars 2022, 7,653,160,50$. Ce qui fait en tout de 2011 à 30 mars 2022, gagné environ 222 millions de dollars qui rentraient dans FNE. 222 millions de dollars. Comme ça, nous sommes de juin 2011 à 2016. De 2011 à 2016, nous avons utilisé comme ça pour la question de Sugo. Ça veut dire que nous prenons comme 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, qui c'est environ 62 millions de dollars, nous mettons la question de Sugo. Sugo, c'était quoi qu'on a payé pour tout le monde aller à l'école, à raison de $90. Mais dans le rapport pour des comptes qui sortit en 2015, nous dit que rapport sur l'efficacité des dépenses et la situation financière, le rapport que nous avons reçu en 2016 dans le Sénat, il a dit que comme ça a été très mal
dépassé la question Sugoa. Eh bien, en 2016, il a été réorienté comme ça pour aller, eh bien, dans la question de construction de l'école. De construction de l'école avec fourniture de matériel scolaire. Construction de l'école avec fourniture de matériel scolaire. C'est-à-dire, premier 60 millions de dollars qui est allé dans la question Sugoa, il a dépensé dans Sugo. Deuxième partie, il a réorienté vers la construction des écoles et matériel scolaire. Et en 2018, dans le Sénat, nous demandons un rapport sur comme ça. Nous avons un rapport eh bien, qui a prouvé justement que, eh bien, comme il a rassemblé de 2016 à 2018, il a mettre dans la construction 30 écoles. La construction 30 écoles. Nous demandons pour l'école font un rapport, malheureusement, qui n'a pas fait. Mais qu'on y a l'air arrivé le 30 mars 2022, le 30 mars 2022, eh bien, nous, de 2016 au 30 mars, il y a environ 160 millions de dollars que nous rassemblés encore, que nous rentrons dans le fonds. En 2017, là, on était directeur général et fonds, puisque loi a été votée, il dit on va le faire 30 écoles. Et 30 écoles, ça y est, c'est à quoi ça y a fait. Et 30 écoles sont finies en 2021. Ça nous remarque qu'on y a, c'est que dans 30 écoles, c'est 27 seulement qui sont passés devant la commission CNMP. Et dans 27 qui sont passés, qui ont été admis pour défaire, c'est 3 écoles seulement qui finissent. Il y a 24 écoles qui sont en construction. Alors que l'école est devenue finie en 2021. Et comme qui rentrait de 2016 à toujours, j'aime ce dire là, c'est environ 160 millions de dollars. Donc, puisque nous avons une pile anomalie, parce que pour faire 30 l'école, qui c'est l'école primaire, l'école secondaire, eh bien, on ne peut pas dépenser tout comme ça. Donc là, nous remarquons anomalie entre comme qui rentrait, comme qui rentrait. Et comme que on dit qu'on va faire l'école. Parce que sous fond, actuellement, il était simplement dans BRH 2 220 000 dollars. BRH débloqué 220 millions de dollars pour FNE. Bon, première partie qui est dans le support. Bon, deuxième partie, actuellement, qui est supposé là pour l'école, mais l'école est beaucoup finie. Donc, étant donné nous, toute anomalie que le cours supérieur des comptes a constaté en 2015, anomalie que nous avons constaté dans le Sénat en 2018, de demander rapport à l'IMAFEL. Donc, nous écrit M. Robert Saint-Paul, conseiller Saint-Paul, qui est président, pour nous dire étape de la situation. Nous voyons un document au Bali. Nous voyons un document ça, qui sont documents eh bien, dans l'État, dans BRH, côté que nous dit mais combien de comptes peuvent entrer. Nous voyons également un document FNU à Bali qui dit mais l'école qui va le faire. Et comment se fait-il que tout comme ça va passer, non seulement l'école lui au beaucoup fini, mais deuxièmement, près de 220 millions de dollars déjà débloqués. Donc, nous voyons également le document du sénateur Lambert. Même s'il était 10 sénateurs, il y aura une majorité fonctionnée, mais moi je crois que ce travail Sénat, quel que soit le nom que vous avez, il y aura fait contrôle. Il y aura les ministres, il y aura les. Eh bien, directeur général, pour que vous vérifiez ça. Puisque ça, nous remarquons au niveau de diaspora, c'est que Mounio, vous prenez 1,50$ là, ce n'est pas 1,50$ là dans le fait que vous baillez qui dérange. C'est que vous prenez comme ça, l'école vient faire des plus riches dans le milieu. L'école vient dans la poche dirigeant, et comme de fait. Depuis l'heure, comme ça a été commencé par 2011, vous avez des appréhensions sur le côté légal. Puisque les SAA n'ont pas de loi. Là que, comme ça, ils ont voté voter loi, ils ont leur appréhension, puisque ils ont dit, comme la voie de la corruption. Et je dis, nous voyons que nous n'avons pas qu'à justifier comme ça, à partir de données que nous recevons, et bien nous voyons que c'est un gros problème, et que pour des comptes,
à le fouiller plus fort que nous, puisque il a accès à tout document FNUO pour nous écouter comme ça a passé, puisque son corps qui a loué exactement pour l'éducation. Fablier fonds éducation, c'est pas 1,50 seulement qui la donne. Les gens leur corps la donne tout, qui ont 5 centimes par appel. Chaque fois qu'on appelle à l'étranger, il y a 5 centimes qui sortent, qui doit aller dans l'éducation. Ça, on ne peut pas enquêter sous l'île. On a parlé là de 1,50 là, qui vient la donne 222 millions qui est rendu depuis 2011. Donc dans ce sens, nous écrit pour ces rôles pour qu'ils approfondissent l'enquête là, puisque tout comme ça en général, 220 millions que nous connaissons qui allaient dans la FNVA, plus ça qui dans la Banque Centrale, 2 millions, qu'on a dit là toujours, eh bien, il y a un éclaircissement qui vous fait sous l'île. Et nous croyons que je dis, le pays ça, il y a trois corps qui ont gaspillé la donne pour que leur arrivée dans la gouvernance pays, eh bien, vous n'avez pas de corps. Vous n'avez pas de corps là-bas. Vous n'avez pas de corps là-bas. Vous n'avez pas de corps dans le pays, eh bien, vous n'avez pas de ONG. Alors que mon corps qui a loué l'éducation, et ça a son seul particulier. Pays ça, il y a trois corps qui rentrent là-dedans tout pour que leur arrivée dans la question de sécurité, ce dont nous allons parler de lui, eh bien, il y a équipement qui vont acheter, il y a frais pour les policiers, eh bien, ou est jusqu'à présent, eh bien, c'est un premier ministre qui a bâillé dans le moment ça, qui a bâillé 16 machines à la police, alors que pour le moment, ce n'est pas machine ça yo, que les policiers ont besoin pour résoudre ce problème-là. Hein? Ça, les policiers ont besoin. La police a besoin d'hélicoptères, ils ont besoin de blindés qui vont attaquer les questions que nous avons là. Ce n'est pas machine, justement, qui a déplacé en temps normal. Moi, je crois que je dis à si on l'homme qui mettait, non seulement à l'époque pour l'éducation, mais à l'époque qui permet que justement l'État dégage un budget spécial pour la police. Et nous toujours rencontrer dans la conférence de présidents, concordance qui est entre gaspillage là et travail au pas qu'à faire. Nous sommes gaspillage au niveau de l'éducation, mais en même temps, tout, nous remarquons que la police là, il n'y a pas d'équipement. Et je dis à, au niveau de la police là, comme deuxième partie, nous dire un petit mot pour le chef de police là qui commence à faire certains efforts, mais que nous remarquons qu'il y a un pile problème qu'il a toujours. Effort que la police a fait à nous dire, et bien, semaine dernière, il y a des efforts qui ne peuvent pas agir sur l'atmosphère globale là, puisque nous n'avons pas attaqué directement Gandio, que ce soit Katsamaouzo dans la ville là, nous n'avons pas attaqué eux. Eh bien, c'est à côté de la banque. Et pendant ce temps, il y a même eu un temps pour consolider. Il y a consolidé, puisque je dis, il y a des côtés pour passer, il faut payer. Il y a des business, il faut payer. Donc, l'on élimine deux, ça a vite fait, il y a 10 blocs encore qui paraissent. Donc, je dis, malgré l'effort qu'a fait au niveau du chef de police là, nous croyons que gagner en pile action qui doit être faite pour que nous résoudre le problème ça. Action qui veut faire, c'est que vous n'avez pas dans situation, ça va dégager un budget spécial pour la police. Le travail qui fait dans la police, là, pour essayer de mettre l'ordre par rapport aux policiers qui va là. Mais malheureusement, ça qui visé à il pas arrivé. Eh bien, moi, je crois que vous un budget spécial pour la police. Un budget pour équipement. L'équipement que la police besoin, ce n'est pas que trois petites machines que les États-Unis vous avez fait cadeau. Même si à certains pays dans ce temps, que nous, Salvador, qui a des problèmes de sécurité, pays a dégagé un budget spécial pour acheter pour la police là, protéger les populations. Moi, je crois que je dis, si on a un budget spécial, il faut acheter équipement. Un budget spécial pour frapper les policiers autour, puisque c'est eux qui sont dans la rue. Hein? C'est eux qui ont affronté, nous avons un droit à un frais spécial. Et également pour la formation. Parce que je dis à policiers que nous avons une formation à vous prier pour attaquer les gangs. Je connais que le chef de la police a déjà eu un recrutement qui a fait au niveau de police au bureau de formation, mais ça a duré trop de temps. Et ça a été fait déjà.
Et pendant qu'on fait formation pour préparer les policiers pour former une unité anti-gang qui pourra contrecarrer, il faut faire leur formation de recrutement massif qui va permettre que vous remplacez les policiers qui ont même pour aller dans l'unité spéciale. Parce qu'actuellement, je l'ai dit la dernière fois, si au niveau théorique, je dis la police, il y a 14 000 policiers, mais au niveau pratique, il va dépasser 12 000. Et normalement, nous avons besoin entre 2 à 3 policiers par 1000 habitants, au lieu que nous gagnions, qui fait que je dis, nous n'avons pas gagné exactement le nombre de policiers qui ont gagné. Donc, dans ce sens, nous pouvons, au niveau sécurité, nous dire, on mot pour DG, que c'est un pile policier qui a fait effort, mais ce n'est qu'une petite partie du travail, puisque il faut nous attaquer pour le blanc en groupe, et c'est peut-être ça nous demander le budget spécial là. Nous demander les équipements appropriés. Ce n'est pas le moment pour y avoir des machines simples pour la police. C'est le moment pour y avoir des blindés, pour y avoir des hélicoptères, pour y avoir des gilets pare-balles, pour y avoir des bons combat de boots, pour casse, pour que la police là en état, pour que les mettez fin à la question de la sécurité. Et je dis à mon point que, il faut y avoir la police autonomie. On décret en mai 2020 que on a arrêté, excusez, que Jovenel Moïse te prend, qui a retiré l'autorité. Que la loi par le chef de police là, pour l'obé directeur départemental, pour le faire des changements, je te confie plutôt à CSPN là, et je dis à moi que CSPN là va ni en odeur de sécurité pour que tu joues rôle ça. D'ailleurs, c'est ma rôle ni dans la loi, CSPN dans mon rôle stratégique, mais vite ma rôle tactique pour le dire beau dans le commandant département, c'est permettre à ce que les gens fassent politique en tant que police à bien. Là que le commandant département, que la police a jugé qu'il n'est qu'à faire là, CSPN n'a qu'à bloquer, ou mettre le monde qui a fait politique, et je pense que je dis à non seulement au niveau matériel, au niveau frais de la police, mais au niveau légal, on a arrêté qui était illégal, qui était confié en rôle à CSPN dans quel pas gagné. Je dis à moi, je pense que il faut retirer pour que l'état-major de la police ait une latitude pour que le fait travailler et payer en même. Non seulement qu'il fait travailler, il fait déplacer les policiers qui peuvent déplacer, mais ils font 20 tout, puisque nous avons un grand cancer de la police. Malheureusement, il n'y a pas en ville, mais il y a des policiers qui entrent dans le camion. Ce n'est pas la majorité, mais il faut que le chef de police également fasse 20 sous ça. Voilà en gros deux sujets que nous avons.